Bonjour les amis, bonjour la famille. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir aussi ce que moi-même je vois sur Facebook depuis hier. C'est-à-dire le mounting et le proving de Facebook commence à détruire certaines personnes. Les gens font l'un de l'autre d'un côté, ça détruit les autres de l'autre côté. Vous voyez les inconvénients, l'impact négatif des bling 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 que vous venez sur Facebook faire. Hier, nous sommes restés sur Facebook. On est venu nous balancer des images et ça a pris tout Facebook. MK Michel, que les gens ont crié ici sur la toile. Oh, on l'a rapatrié du Canada. Je ne sais pas si elle veut prouver à tous ces gens-là qui étaient contents du fait qu'on l'a rapatrié du Canada. Je ne sais pas si elle voulait... Elle veut prouver à ces gens-là que non, ce n'est pas un problème de moyens. Si c'est pour l'argent, il y a l'argent. Ou c'est une marque qu'ils sont en train de vendre. Ou bien c'est vraiment le ndolo. Je ne sais pas trop. Donc, les images nous ont retrouvées sur Facebook montrant MK Michel en train d'offrir une voiture à son gars Bob Dylan. Ce qui est plus inquiétant, c'est la copine de Claudio Jala qui fait une sortie en pleurs. Paraît-il que quand les images là sont arrivées chez Claudio Jala, le gars allait faire un post sur sa page en disant que ce n'est pas notre genre là. La copine de Claudio Jala s'est sentie indexée en disant que vraiment, tu m'as déçu mon frère. Chacun a son niveau. Donc si tu trouves que c'est le genre là qu'il te faut, papa, mieux je te laisse, non? Va toi-même chercher. Va toi-même chercher le genre là. Langa parle jusqu'à... Elle veut même pleurer. Donc, avant que vous n'écoutez ce qu'elle raconte, je voudrais juste préciser que, les amis, méfiez-vous. Méfiez-vous de tout ce que vous voyez sur la toile. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est l'or. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Vous allez constater que celle-ci est venue manifester en public. Et ce qu'on voit là, ça détruit beaucoup de couples. Parce qu'on vient toujours sur Facebook vendre les rêves. La vie des réseaux sociaux, la vie de Facebook là, ce n'est pas la vie réelle. Les gars viennent toujours vous montrer que wow, 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 wow. Pourtant, si vous entrez vraiment dans leur vie réelle, c'est autre chose. C'est autre chose. Écoutez la copine de Claudio Jala. Elle se plaît carrément que non, vraiment. Écoutons un peu. Même si c'est dans la blague, il y a les choses qu'on ne dit pas. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Il a checké une voici à Estal. Allez, il l'a voir à deux. Il a donné une nouvelle voici à notre. Monsieur le polygame, dans le premier bébé, le deuxième bébé. Il n'y a pas actuellement, non. Actuellement, il n'y a pas eu de cas tenu. Pourquoi je ne retiens pas là? Il n'y a pas, oh, avant, non. Ce n'est pas mon genre, là. Là, c'est le vrai. C'est mon genre, là. Bref, je pense que vous avez vu la vidéo que Claudio vient de poster sur son compte là, où il disait que ce n'est pas son genre là. Donc Claudio, moi j'aimerais te demander, moi est-ce quel genre pour toi? Comme ce n'est pas ton genre là, moi est-ce quel genre? Comme tu m'as rabaissé indirectement en public devant tout le monde là, j'espère que tu ne viendras pas me demander les excuses en privé. Même si c'est dans la blague, il y a les choses qu'on ne dit pas. Il y a les choses qu'on ne dit pas. Même si c'est dans la blague. Donc, comme tu l'as fait là, sache que c'est bon. Et sache que les couples ne se comparent pas. Chacun vit à sa manière. Sache que chaque couple a ses revenus. Et sache que chaque couple a sa façon de vivre. Très bien. Alors, vous l'avez écouté, non? Je vais vous dire maintenant le but de ma vidéo. Parce que c'est ça qui est important. Oui. Alors, je fais cette vidéo pour attirer l'attention des jeunes, de mes jeunes frères. Faites attention. C'est comme ça que le diable vous capte.
Vous comprenez, non? On vous montre le bling-bling. Le bling-bling. Pour capter des âmes faibles. Ceux qui veulent la vie facile. Je ne suis pas en train de parler de leur couple. Ne nous confondez pas. Moi, je ne suis pas en train de dire ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de bling-bling sur les réseaux sociaux. Et comment on sait que notre jeunesse d'aujourd'hui aime la vie facile? Personne ne veut patienter. Tout le monde veut avoir sans rien travailler. C'est par ce chemin-là que le diable passe pour vous prendre. Faites très attention. N'enviez pas la vie des gens. Laissez les gens faire leur vie. Si c'est naturel, si c'est vrai, ce n'est pas la première fois qu'on voit une femme offrir une voiture à un homme. Mais ce qui me fait parler comme ça, c'est la réaction de cette demoiselle qui commence à parler, à pleurer. Pour vous, vraiment, mieux tu pas chercher celle que... Et vous voyez comment... En fait, si tel est le cas, ça veut dire que c'est en train de marcher. Le chemin est en train de marcher propre. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes garçons là qui vont chercher à avoir des copines comme celle de Bob Dylan, des copines comme MK Michel. Et bienvenue donc maintenant dans le massacre. C'est comme ça qu'on vous ramasse un à un. Allez un peu à la morgue. Allez un peu à la morgue. Quand on dit lever de corps là, allez voir les jeunes. Allez voir les jeunes qu'on lève. À la morgue aujourd'hui, les jeunes sont 5 fois plus que les vieux. Pourtant, à l'époque, quand on disait morgue là, c'était les vieillards. C'était les 70, 80, 90, 100 ans. Aujourd'hui, c'est la tranche de 20 à 40. Vous ne vous posez pas de questions. Toujours des vies faciles. Ne cédez pas à ces choses, à ces choses-là. Regardez aussi sur Facebook, ça vous applaudissez, vous laissez. Vous laissez. Voilà quelqu'un qui ouvre la voiture à son gars. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas ce qu'elle fait. On ne connaît pas ce qu'elle travaille. Elle fait quoi concrètement dans la vie? Bon, moi, je ne suis pas en train de m'attaquer à sa vie personnellement. J'ouvre juste les yeux de mes frères. Qu'est-ce qu'elle fait vraiment? Qu'est-ce qu'elle travaille pour offrir? Elle est étudiante, non? Étudiante au Canada. Donc, c'est qu'elle-même, elle a déjà sa propre voiture, puisqu'elle offre même encore l'autre à son gars qui n'a pas. En tout cas, si vraiment c'est le Ndolo, je vous souhaite heureux Ndolo. Mais, les amis, vivez vos vies à votre rythme, à votre niveau. N'enviez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là. N'enviez rien à personne. Vivez vos vies. Si ce n'est que si c'est les beignets haricots que tu manges chaque jour, machin, un jour, ta part va arriver. Si ta part n'arrive même jamais, c'est ton destin, mon frère. En tout cas, c'est juste mon opinion. Je suis responsable de ce que j'ai dit et non de ce que vous avez écouté. Merci de partager la vidéo. Et si quelqu'un est nouveau sur ma page, sur la chaîne, abonnez-vous les amis, ici c'est la page de l'actualité. Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir la prochaine vidéo. Ciao.